Hello chère communauté qui se bouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait de ne jamais, jamais, jamais abandonner, jamais. Et parfois c'est difficile, parce que vous travaillez, parce que vous fournissez des efforts, un putain de paquet d'efforts, et vous n'êtes pas récompensé. Et vous abandonnez. Et c'est dur. C'est dur de fournir un maximum d'efforts, d'y croire, d'y mettre tout son cœur, toute son âme, d'y passer du temps et d'avoir peu ou pas de résultats. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'échouer. Je sais ce que c'est la tristesse qu'on ressent, la douleur qu'on ressent quand on fournit des efforts et qu'on ne parvient pas à atteindre son but. Mais le caractère, votre personnalité, votre grandeur, la victoire que vous pouvez obtenir dans la vie, elle ne se révèle pas dans vos réussites. Votre grandeur, elle se révèle dans vos échecs, dans votre façon de vous relever, dans votre façon de continuer à y croire, de ne jamais abandonner, d'essayer encore et encore et encore. Et quand il y a une stratégie qui ne fonctionne pas, on la règle, on l'adapte. Vous prenez des actions massives, massives. Pour réussir votre objectif, si ça ne fonctionne pas, vous adaptez. Et quand vous adaptez d'un millimètre, Tony Robbins prend un exemple dans son séminaire, dans sa conférence, et il explique, voilà, au golf, vous devez atteindre un objectif. Si vous montez la balle d'un millimètre, ça change toute sa perspective. D'un millimètre, elle part là. Et parfois, il y a juste ça à faire. C'est d'adapter votre stratégie de ne jamais, jamais, jamais abandonner et de continuer à prendre des actions massives, pas un petit peu, et espérer. C'est comme quelqu'un qui fait du fitness ou quelqu'un qui fait de la muscu et il se regarde tous les jours dans le miroir et regarde tous les jours ses muscles. Ou quelqu'un qui essaie de maigrir et qui va se peser 3 fois par jour. Ça ne marche pas. C'est trop à court terme. Il faut du long terme, des efforts soutenus, des efforts réguliers, dans une constance. Ce n'est pas peu d'efforts pendant peu de temps qui vont vous apporter beaucoup de résultats, ce sont des efforts réguliers. Et donc ne jamais, jamais, jamais abandonner, peu importe les circonstances que vous vivez, peu importe une maladie, un divorce, une mauvaise nouvelle, la perte d'un job, peu importe, vous continuez. Vous allez voir l'autre vidéo que j'avais fait l'autre jour à propos du pourquoi, vous vous reconnectez à ça et c'est reparti. Parce que quand vous touchez à vos valeurs, à qui vous êtes vraiment là à l'intérieur et que c'est votre objectif et qu'il n'y a rien d'autre de plus important dans votre vie, vous n'abandonnez jamais. Jamais. Et un peu, peu importe les moments de souffrance. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal quand on est par terre. Oui, ça fait mal quand on est trahi, quand on est rejeté, quand on n'a pas les résultats qu'on espère. Oui, ça fait mal. Et on a tous mal, tous. Je connais personne qui a jamais eu de difficultés. Je connais personne qui a jamais souffert. C'est dans cette souffrance qu'on se révèle. C'est une façon à réagir à notre environnement et aux circonstances qui vont faire de vous quelqu'un de grand, quelqu'un qui parvient à atteindre ses objectifs et surtout qui n'abandonne jamais. Et si vous êtes à terre, si vous n'en pouvez plus, vous n'abandonnez jamais, vous vous relevez, vous marchez, vous vous mettez en mouvement, vous adaptez vos stratégies, et c'est parti, vous continuez, tous les jours. Parce que chaque journée qui passe, c'est une journée perdue. Elle ne reviendra plus jamais. Chaque jour est une bénédiction. Chaque jour, c'est un moment, c'est une opportunité pour être heureux, pour réaliser ses objectifs, pour entreprendre, pour aller plus haut, pour aller plus loin, et pour vivre chaque moment intensément, vivez chaque jour comme si c'était le dernier, n'abandonnez jamais, ne perdez pas votre temps à vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, qu'il y a des circonstances qui jouent en votre défaveur. Tout ça, c'est un état d'esprit. Changez votre état d'esprit et vous changerez vos résultats. Vous verrez à quel point les choses vont devenir complètement exponentielles pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse. Je vous remercie de me suivre dans ce défi de vidéo. Et vous téléchargez les 4 vidéos pour devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.